Ils sont 25 étudiants de niveau licence et master en théologie et 23 formés au centre de formation biblique de l'Université évangélique du Tchad à recevoir leur parchemin de fin de formation. Une formation d'une durée de 3 ans pour ceux de niveau licence et 5 ans pour ceux de niveau master et qui fait deux des pasteurs au service de l'Église. Au nom de lauréat, Legoteux Françoise remercie le corps enseignant pour la qualité de la formation. Pour le président du conseil d'administration de l'Université évangélique du Tchad, malgré les avancées enregistrées, son institution traverse quelques difficultés. Aujourd'hui, cette institution fait face à de nombreux défis, notamment l'érection de l'Université évangélique du Tchad en une institution conventionnée ou d'utilité publique. La formation continue et la qualification des anciens chercheurs de la FATES. La construction de la clôture de la faculté de théologie évangélique Shalom. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation salue les efforts consentis par l'université. Je me fais le devoir de féliciter vos proches dont certains sont ici présents pour vous avoir supporté, soutenu, accompagné dans cette entreprise. Qu'il soit honoré de ses paris hautement concluants et salutaires. Créée en juillet 1997, l'Université évangélique du Tchad est à sa 27e promotion.